Salut, nous c'est l'équipe de Maxime. On va répondre sans pression à des questions. Vous allez pouvoir nous connaître un petit peu plus. J'ai voulu prendre une musique connue pour l'arranger à ma sauce. C'est ma chanson préférée, donc mon choix a été vite fait. J'ai pris une chanson d'une star que je kiffe. Mon objectif était de surprendre, je n'allais donc pas choisir n'importe quoi. J'ai pas vraiment choisi, pour moi c'était celle-là, je ne me suis pas posé de questions. J'ai volé des bonbons et je me suis fait attraper. J'avais 12 ans mais quand même. Je me suis étalé en pleine rue avec mes talons. Je marchais sur des pierres, donc forcément, j'ai fait boum. J'ai voulu faire ma belle donc bien fait pour moi. Je me suis curé le nez devant les parents de ma copine, mais je pensais être seul à ce moment-là. Marcher dans une crotte, sentir le caca toute la journée sans savoir d'où ça vient, et s'en rendre compte en fin de journée. Mon frère m'a surpris en train d'embrasser un garçon. Il ne savait pas que j'étais bisexuel à ce moment-là. J'étais gêné. Parfois, parce que je les trouve crus. J'ai pas vraiment eu de critiques négatives de leur part, je ne peux pas juger. Non, je suis là pour apprendre. Les critiques font avancer. Oui, on se ramassa dans la gueule devant les caméras. Bon, après ça ne me concerne pas tellement, mais quand même. J'ai été blessé par les critiques de ma bottle, oui. Mais c'est comme ça, faut y faire face. Uniquement si elle concerne le chant. J'aime les téléréalités, donc pourquoi pas? Comment vous dire que non, jamais de la vie? Une c'est suffisant. Non merci. Cette émission est axée sur le chant, pas sur notre vie quotidienne, c'est assez différent. Mais non, pas d'autre émission. Simon, il est tellement différent, c'est sa force. Ava parce qu'elle ne cesse de progresser. Simon il est trop puissant. Je dirais Marius, il peut chanter des chansons de filles sans problème. Tous. Ils sont tous plus âgés et ont plus d'expérience que moi. On se retrouve bientôt pour la dernière étape. On espère que vous allez nous soutenir. À bientôt. Yeah.